Salut à tous, c'est Nifex8, on se retrouve sur les Sims 4 pour reconstruire notre vie. On va essayer de faire ce qu'on peut pour améliorer la vie de cette pauvre petite famille qui a tant souffert, mais qui commence enfin à avoir un vrai toit sous la tête, et ça c'est plutôt cool. Donc on va faire les choses dans l'ordre. Déjà, est-ce que les plantes vont bien? D'ailleurs, dans les commentaires, vous êtes plein de me dire qu'il faut essuyer ça. Non, on ne peut pas essuyer théoriquement. Effectivement, vous voyez, on ne peut pas essuyer. Dans les flaques qui sont dans la terre, on peut forcément... D'ailleurs, je vais essayer de le faire. Est-ce que je peux lui demander? Il me semble que j'ai vu un truc une fois, un message, c'est marqué justement qu'il faudrait être complètement fou pour essuyer une flaque dans la terre. Effectivement, c'est juste, les flaques, on ne peut les essuyer que quand elles sont sur le sol. Quand elles sont dans de la terre, sur l'herbe, tout ça, on ne peut pas. Vous voyez, je remets encore une fois, jouer dedans, marcher dedans. Il n'y a malheureusement rien de plus. Et je clique, ouais. Et puis en mode construction, est-ce qu'on peut le déplacer la flaque? Non, on ne peut pas. Donc absolument rien à faire, je peux pas les bouger. Il faut qu'elles sèchent et le problème c'est que comme j'arrête pas d'arroser, bah à chaque fois elles réapparaissent. Et je n'ai pas le temps de réaligner tout ça correctement, mais bon, c'est pas trop grave. Donc on va quand même se concentrer, c'est presque 7h du mat déjà. Donc il faudrait quand même qu'on parte au travail. Qui c'est qui travaille aujourd'hui? Il me semble qu'Alexia ne travaille pas aujourd'hui exactement, c'est plutôt cool. Tu vois, elle a des jours de congé qu'il faudrait peut-être utiliser. Ah, 6 jours de congé, c'est vrai qu'elle a pas mal de congés. Il faudra voir si on utilise ça, parce que niveau performance, elle en est ouf. Ouh, performance, avoir une promotion, les amis. Je sens la promotion qui arrive. Plutôt bien, on va croiser les doigts. Donc là, par contre, elle a pas fait les tâches du jour. C'est de voir. Est-ce que tu te sens bien? Tu te sens bien? Mais écoute, fais péter ça. Est-ce que tu vas vite aux toilettes? Allez, soyons fous. Utilisez après, tu fais tes devoirs. Et j'espère que tout se passera bien pour toi. En tout cas, on va faire notre possible. Ensuite, petite Ted. Toi, tu te sens bien également? Mais oui, parfait. Tu fais tes devoirs. Et enfin, la petite Audrey. Qui se sent également presque bien. Tu vas faire tes devoirs et après seulement tirer aux toilettes. Comme ça on alterne et il n'y a pas de bouchon dans les toilettes. Donc ça c'est fait. Par contre Alexia, tu vas t'occuper un petit peu du jardin s'il te plaît. Il y a plein de trucs à faire évoluer. Et nous on aime ça parce que plus ça évoluera et plus on gagnera d'argent. Et nous on aime les Simflouz. Pour construire sa vie, ma foi, il n'y a rien de mieux que ça. Ah, la quantité, tout est bon. Il y a pratiquement tout qu'à faire évoluer. On va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre, c'est plutôt positif. Je sais pas pourquoi d'un seul coup comme ça il y a tout qu'à faire évoluer, mais tant mieux. Et vas-y, fais tout péter. Voilà, il y a tout, vraiment tout. C'est pas juste un cliché, c'est qu'il y a vraiment tout à faire évoluer. C'est super étrange. Mais bon, tant mieux. Leur devoir. Attention, le travail d'Alexis à payer. Enfin, vas-y. Devoir terminé. Ok. On va quand même voir déjà ce qu'ils font. Pas les laisser non plus trop faire n'importe quoi. Au niveau bouffe, tu pourrais vite manger un petit truc. T'as un petit peu faim. Est-ce qu'il nous reste des choses à manger qui sont pas périmées? Ok. Il reste 5 jours pour tout, sauf pour ça. Donc, manger un peu de gratin. Le matin, le gratin, c'est la vie. Les pauvres, c'est absolument horrible. Du gratin le matin. Un truc bien violent. Pourquoi t'es rouge? Qu'est-ce qui t'arrive? Très mal à l'aise à cause des déchets? Quels déchets? Je ne vois aucun déchet par ici. Peut-être celui que tu viens de nettoyer, c'est possible. Ah non, c'est que c'est dégueulasse, c'est juste. Nettoyer. Tout simplement, tu faisais quoi là? Ah zut, elle était déjà en train de nettoyer, j'ai annulé l'action. Bon, bah, tant pis. Renettoie là s'il te plaît. Est-ce qu'il y a autre chose à nettoyer? Non, le reste a l'air relativement bien. Écoutez, tu pourrais presque nous faire à manger vu que tu te sens bien. Soyons fous, cuisiner. T'es niveau combien maintenant? Tu peux faire des trucs niveau 4. Biscuits, spaghettis. Tiens, les spaghettis, ça passe bien ça. Version groupe, je te remercie. Du coup, nos petites plantes qui continuent d'évoluer plutôt bien. Je pense qu'on va avoir un jardin qui va commencer à nous rapporter pas mal de fric. Ça va être plutôt rentable tout ça. Par contre, on m'a dit en commentaire que je m'étais planté, j'avais vendu les graines. Effectivement, je crois qu'on avait envoyé Julie, si pas de bêtises, chercher des graines quand on était parti sur le terrain. Je sais plus qu'on appelle déjà le quartier, là, près du manoir, dans un autre quartier. Non, dans ce quartier-là, en fait. On est dans le même quartier, c'est juste. Et ce qui s'est passé, c'est que je les ai vendus un peu bêtement. Ce qui est un peu stupide, parce que j'aurais pu comme ça aller planter. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Au pire, on ira chercher une autre fois. Bon, là, déjà, niveau jardin, de toute façon, déjà plutôt bien. Franchement, vu tout ce qu'on a, je pense que ça va rapporter pas mal d'argent. Voilà, il manque plus que ça, comme ça on sera bon niveau évolution. Tu vas pouvoir nous arroser tout ça, ça sera parfait, ainsi qu'un petit désherbage, bien comme il faut. Ah, t'as le niveau fin des boutures maintenant, intéressant. C'est vrai que si on pouvait créer des nouvelles plantes, ça pourrait être bien, je pense qu'elles peuvent valoir de la peine, enfin valoir du fric. Valoir, ma foi, plutôt pas mal de Simflouz, on verra ça. C'est des conseils, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, alors je lirai tout ça. Du coup, c'est 8h30 également, c'est pas censé partir à l'école? Qu'est-ce qu'ils nous font? Effectivement, ils sont censés partir à l'école. 8h32, finissez de manger, est-ce que t'as le temps? 8h35, ça commence à être juste là. Est-ce que tu finis ton plateau? Est-ce que t'as tout? Allez, fin, t'es au maximum, donc on s'en fout, laisse ça. Par contre, tu nous fais quoi? J'ai dit, faut partir. Elle finit son gâteau vite, enfin, c'est les pâtes. Dépêche-toi, s'il te plaît. On compte sur toi. 8h44, ça commence vraiment à être juste là. Ça commence vraiment à être méchamment juste, donc dépêche-toi. Allez, le cerf, yeah, c'est bon. Je te remercie, parfait avant de partir à l'école. Du coup, elle a même pas mangé la peau. Elle a fait à manger pour tout le monde, mais elle n'a pas mangé. T'es de voir, c'est tout bon. Ah non, du coup, elle a pas fait ses devoirs. J'ai fait quoi? J'ai fait une petite bêtise. Bon, c'est pas trop grave, elle a quoi comme note? Performances sont pas exceptionnelles, mais elle a une moyenne de A, donc c'est pas trop grave. On fera avec, on s'en contentera, les amis.
Bah, du coup, le jardin se passe plutôt bien. Encore des trucs à faire évoluer, apparemment. Celle-ci, le fait de les avoir arrosées, ça a l'air de les avoir bien aidées. Tu les feras évoluer, je te remercie. Malheureusement, rien à récolter. Du coup, on pourrait presque voir ce pas. Ah, je regrette tellement d'avoir balancé les graines. Il me semble bien que j'avais récolté des graines, si je veux de bêtises. Donc, ce qu'on fera, c'est limite aller en chercher d'autres. Parce que c'est vrai que ça peut valoir la peine. Parce que je pense que ça va valoir pas mal de simflouz, tout ça. Au passage, on peut peut-être également aller récolter un peu tout ça. Quitte à faire, vu qu'elle se sent bien, autant en profiter pour se faire un max de pognon. Ah, il faudra pas oublier de faire des interactions malicieuses. C'est vrai que pour son travail, enfin, en même temps, vu la performance, je peux dire à peu près de façon sûre qu'elle aura une petite promotion à la prochaine journée de travail. Mais il faut quand même faire son travail correctement. Donc, les tâches du jour, interaction malicieuse, on fera ça dès que possible. Attends, t'as déjà fini? Attends, est-ce que tu peux me prendre des petites grenouilles? On va continuer. On va continuer tranquillement, enfin. Ouh, amélioration de la compétence jardinage niveau 6. Pas mal ça. Alexia commence à s'y connaître en agriculture. Il pourrait même que des Sims se complimentent son jardin. Parfait. Ça, c'est très très bien. Comme ça, elle pourra améliorer un peu son jardin. Si on arrive à être niveau 10, ce serait encore mieux. Comme ça, elle jardinera encore plus rapidement. Elle a un bonus assez énorme qui permet d'être beaucoup plus rapide au niveau des jardinages. Ce qui nous arrangerait carrément. Récolter encore ça. Non, ça bon. Là, franchement, je pense qu'elle a fait un bon gros stock bien comme il faut. Enfin, donc, on n'est pas trop mal. Bien sûr, un petit peu ça. Ouf, il n'y a pas le chose à vendre. On va voir ça tout de suite. Juste le temps de s'occuper d'elle quand même. Il ne faut pas la négliger, la pauvre. Voilà, faire tout ça en attendant, nous, on va pouvoir vendre tout ce qu'on a récupéré. Et à mon avis, il y a pas mal de choses. Pour les grenouilles, je les mets pas ensemble. Ah oui, on m'a dit effectivement, tout ce qui vaut moins 40 simflouz, il faut les mettre dans la poubelle directement. Est-ce que c'est faisable? Genre, est-ce que je peux balancer ça dedans? Non, la perle, on ne peut pas. Par contre, je suppose que les fruits, par exemple, on peut. Ah non, on peut pas. On ne peut pas tricher, malheureusement. Enfin, effectivement. Et les boîtes, est-ce que les boîtes, on peut les balancer? Non. On ne peut rien, en fait, on peut rien lancer. C'est que les assiettes qu'on peut mettre à la poubelle. On m'a dit de jeter toutes les boîtes, tout ça à l'intérieur. Mais non, ça ne marche pas malheureusement, parce qu'il faut, effectivement, ils ont prévu la triche. Ils ont empêché ça, c'est que les assiettes qui peuvent être jetées, les assiettes, les poubelles, et tout ce qui est objet, on ne peut pas les jeter. Je reste encore avec un autre, non, absolument pas. Bon bah voilà, au moins on aura essayé, on sort un petit peu plus. Tiens, t'ouvriras ça au passage. Ted doit-il inviter chez lui son camarade de classe? Bah écoute, s'il a envie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc nous, on va essayer de vendre tout ça, et à mon avis, il y a pas mal de choses là. 250 simflouz, allez vas-y. Fais péter, bon les patates toujours aussi peu rentables. L'arbre à pommes, c'est pas non plus folichon. Parce que la boîte, elle vaut combien? La boîte vaut 70, enfin 70. Du coup, je sais pas si ça vaut vraiment la peine de l'ouvrir ou pas. On m'a dit en commentaire de pas l'ouvrir et de la vendre. Mais bon, pour 70, c'est pas non plus la folie. Vas-y, vends-moi les champignons, tout ce qu'on peut. Ça, c'est quoi déjà en jaune? C'est les chrysanthèmes ou c'est... Ouais, exactement, chrysanthèmes. On vend. Nous, on est là pour se faire un max de flic. Et une 3500 simflouz quand même. Ça commence à être pas mal. On commence à être bien. 300 simflouz de plus. Les cailloux, on va les ouvrir. Ça, c'est quoi? 30, on vend. Ça n'a pas spécialement d'importance. J'aurais pu les doubler, mais bon. On va les reproduire, mais ça vaut tellement peu. On a récupéré une petite poupée Lindsay 65. Donc, c'est un... on a perdu 5 simflouz par rapport à ce qu'on avait vendu directement. Mais c'est pas grave. C'est une rare ou c'est normal? Rareté insolite. Ah, donc effectivement, donc si on a des poupées communes, il vaut mieux les vendre directement sans les ouvrir. Mais bon, c'est pas trop trop grave, de toute façon, on en est. On n'est pas à 5 simflouz près. Peut-être s'occuper un petit peu de la famille quand même. Il y a tout le monde qui est rentré. Au niveau des devoirs, bah, on va commencer par ça, par les bases. Faire ses devoirs. Ensuite, Julie. Normalement, tu dois travailler. Pas commencer. Vacances. Ouais, elle traîne en 2 heures, ok, il faut qu'elle soit inspirée. Elle a faim, elle manque divertissement. Écoute, mange vite un truc. Ce que t'as envie, soyons fous. Et après, pour le divertissement, bah écoute, joue à l'ordinateur. Ça pourrait être sympa, ça. Et du coup, les deux poupées qu'on a reçues, effectivement, celle-ci, elle vaut que 20 simflouz, donc il valait presque mieux la peine de directement vendre la boîte que de les ouvrir. Parce qu'à l'intérieur, ça vaut quand même moins que les 70 qu'on aurait pu avoir. Mais bon, c'est pas trop trop grave. On peut les mettre en dessous. Oh, c'est mignon. Vas-y, pour décorer, on pose des petites figurines en dessous de l'armoire. Ça rend bien. Ouais, ça rend très très bien. L'or est bien désactivé en principe, ouais. On va pas les activer, c'est pas intéressant à l'intérieur de la maison. Fin. Comme ça, on est bon, enfin. Ah, et par contre, là, ça manque de fenêtres, effectivement. Je crois qu'on l'a dit en commentaire du reste. Qu'est-ce qu'on utilisait comme fenêtre déjà? Celle-ci, bah écoute, on va rajouter tout simplement, enfin. On va rajouter. Idéalement, genre 2. Ouais, comme ça, ça me paraît pas trop mal. C'est vrai que là non plus, dans la salle de bain, on aurait presque pu en mettre une, genre là. On peut pas la centrer. Fin. Bon, bah, du genre comme ça, en mode gros bourrin. Ah non, il y a la douche. Il y a la douche. Au pire, là, c'est pas trop grave. Au pire, c'est pas trop trop grave. Parce qu'en version plus petite, il n'y a pas spécialement plus petit. Faut genre mettre ça là. Ça fait un petit peu bizarre. Mais bon, ça fait de la lumière. Parce que si on regarde un petit peu,
Donc je remercie dans les commentaires, on m'avait dit justement appuyer sur la caméra pour avoir la vue dessus, ou alors appuyer directement sur T. Ce qui peut être pratique, c'est vrai que des fois, quand il y a les murs qui se mettent pas très bien. Donc ça c'est pour zoomer et dézoomer, et ça faire pivoter. Ok, le gars il découvre ça, après tout le temps. C'est que j'ai jamais utilisé la caméra là, ce petit truc. Donc ça c'est fait. Est-ce qu'il nous faut autre chose? Ouais, c'est quand même bizarre cette fenêtre. On va l'enlever. Passons de fenêtre dans la salle de bain, c'est pas trop trop grave ça, on fera avec. Il y a une voiture qui est coincée derrière l'ordinateur. Pas certain qu'il puisse la récupérer, on va la poser plutôt par là. Histoire qu'il puisse jouer avec quand même, le pauvre gamin. T'as fini ton assiette? Laisse-moi te débarrasser, y'a pas de soucis, je suis là pour ça. Par contre, du coup, Alexia, ce que tu pourrais faire? Normalement, ton divertissement social, ça remonte ou pas? Enfin, le social surtout. Est-ce qu'on lui fait faire des améliorations? C'est vrai que ça fait tellement longtemps. Elle travaille aujourd'hui ou demain? Je crois que c'est demain. Elle travaille dans 2 jours exactement. Donc, quitte à faire, si tu pouvais m'améliorer un petit peu ça. Non, t'as pas le niveau, là t'as pas le niveau non plus. Je pense qu'il y a quand même des choses à améliorer. Robinet solide, est-ce qu'on peut améliorer d'autres trucs? Non, c'est qu'elle a pas un grand niveau en bricolage. Limite, ce qu'il faudrait faire, c'est se prendre une table. Est-ce qu'on se mettrait pas un atelier pour se faire genre des trucs qu'on pourrait revendre? Ce qui pourrait être intéressant, faut voir. À dire, dans l'inventaire, on a ça. Est-ce qu'on les vendrait pas? C'est vrai que je les ai mis de côté, mais franchement, je pense pas qu'on va les... Attends, est-ce que j'arrive à les vendre directement? Vendre pour 10, allez, vas-y. On s'en débarrasse, de toute façon, on n'en veut pas. Ça ne rapporte absolument rien du tout. Les champignons, pareil, on s'en débarrasse. Et par contre, ça, pour 60, ainsi de suite, est-ce qu'on la mettrait quelque part? Ouais, non, en même temps, franchement, ça n'a pas trop d'importance. Allez, on la vend. 60 simflous qui rentre, c'est toujours ça de prix. Du coup, un établi d'ébéniste, ça nous coûte 750 simflous. Et ça peut être pratique. Là, franchement, on a de l'argent. On peut se permettre sans trop de difficultés. Par contre, où est-ce qu'on le place? Bah forcément j'ai envie de dire à l'extérieur. Ce qui peut paraître quand même plus logique. Est-ce qu'on mettrait pas à part là? Genre près du jardin, ça peut le faire. Juste ici, en plus par rapport à la couleur de la maison, ça va parfaitement et c'est cool. Ça rend très très bien je trouve. Du coup est-ce qu'on pourrait faire des choses dessus? Fabriquer une sculpture, fabriquer un meuble. Est-ce que ça a un temps soit peu d'intérêt? Ça nous coûte plus d'argent qu'autre chose. Et je pense que je peux les vendre derrière. Ouh excellent. C'est vrai qu'en plus là tout ça ira bien par rapport à la cabane. C'est vrai que ça peut être carrément cool. Tous les meubles comme ça. Le miroir, je pense qu'il sera très joli dans la cabane. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils ont fini leur devoir? Est-ce qu'ils sont partis faire ça? Mais est-ce qu'ils ont fait leur devoir? Je suis pas sûr. Devoir terminé. Ah oui, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire. Par contre, toi, tu faisais quoi? Ah oui, le divertissement qui te manquait. Ah oui, c'est que ça remonte tellement doucement. C'est tellement abusé. C'est hyper lent. Tu pars. Stop, stop, stop. Tu vas partir au travail. Arrête tout. Pars, s'il te plaît. C'est que divertissement, c'est catastrophique. On a 3200 simflouz. Je voulais changer les lits, mais c'est vrai que c'était tellement cher les lits, je pense qu'on va oublier. Ça me paraît comme un peu compliqué tout ça. Allez, pars au boulot, comme ça, on est bon. J'ai mis pour travailler, très bien. Au niveau performance, t'en es ouf. Caissière du fast-food, performance excellente. Elle a dû partir en étant inspirée, ça a été encore mieux. On va lui dire de travailler dur. Et là, je pense que la promotion... Non, ça va être chaud. Performance, elle est quand même pas si tip-top. Attends, je dis quoi? Je dis quoi? Mais non, bien sûr, la performance est tip-top. En plus, elle monte là. Donc ça n'a pas une promotion, je sais pas ce qu'il leur faut. En tout cas, tout ce qu'il faut, on va croiser les doigts. Est-ce que c'est bon, t'as amélioré le lavabo? Donc maintenant, tu fais le petit miroir. Oh, j'adore les interactions. Le bricolage, c'est toujours assez stylé. Ok, elle vient de se prendre le marteau en pleine figure. Je sais pas ce qu'elle nous fait, elle a un peu de peine. Alors, est-ce que ça avance tout ça? Combien de temps il faut? Ah oui, ça prend quand même pas mal de temps. L'avantage, c'est que ça fait monter un petit peu son niveau de bricolage, qui doit pas être énormissime. Après, on ira faire un petit peu de malice et on sera bon. Bah, c'est vraiment quand même très très long là de faire ça. Et s'il te plaît, pêche-toi un petit peu plus, on accélère le temps. C'est vrai que juste pour un miroir, ça prend 1 milliard d'années. Elle va mettre toute la soirée juste pour faire ça. Alors, client indécis. Quand Julie se met à la caisse, une file d'attente se forme déjà à l'extérieur. Pourtant, on dirait que la cliente devant elle n'a rien remarqué. Elle étudie le menu, grimace et réfléchit. Donc ça, on l'a déjà eu. On l'avait dit de se mettre de côté, ça avait fonctionné. Et je crois que c'est aléatoire les réponses, ça marche pas tout le temps. On va retenter. Yes, ça fonctionne, bonne performance, petit. Bah parfait. C'est très très bien ça. Continue de penser tout ça s'il te plaît. Tu fais du très très bon travail. Oh, Audrey atteint le niveau 7 de la compétence faculté motrice. Ah c'est vrai qu'effectivement moi je l'ai fait jouer mais c'est vrai qu'on a les aspirations qu'on va faire. On est au niveau aspiration. Enfin, atteint le niveau 10 de la compétence faculté motrice. Ok, ça c'est pour Ted. Et pour Audrey, s'entraîner à taper pendant 4 heures. Bah attends, stop, arrête tout. Tu vas t'entraîner à taper tout de suite s'il te plaît. Je te remercie. Yes, c'est bon, elle a terminé son objet en bois, c'était placé dans l'inventaire. Voyons voir ça, d'accord. Ici, il n'y a rien.
à l'inventaire du foyer. Ok, on va voir ça tout de suite. Est-ce que ça rend bien, mon avis? Oh, ça va être stylé. Ça va être... Oh, mais c'est énorme. Ah oui, c'est le gros miroir. C'est pas le miroir... Mon petit miroir, quoi. C'est le méga gros miroir. Par contre, niveau couleur, c'est pas tip-top. Le truc à l'arrache. On met dans la salle de bain comme ça. Enfin, plutôt de l'autre côté. Plutôt de l'autre côté. Genre, si tu peux le mettre comme ça. Est-ce qu'il rentre? Ah non, il y a quelque chose ici. Non, il n'y a rien pourtant. Ah, je pense que c'est la porte. À cause de la porte, malheureusement, ça ne passe pas. Ou alors ici, ça aurait pu être sympa aussi. Genre pour décorer un petit peu. Il faut voir. Il faut voir qu'est-ce qu'on fait. Cette classe est un petit peu bourrin. Ça correspond pas forcément au style. Au niveau de la couleur, je peux pas changer la couleur. On peut changer la couleur en plus. Excellent. Ah, c'est génial. Ça fait un petit... Ça va parfaitement dans la cabane. Ah ouais, c'est idéal. On va laisser ça comme ça. Je pense que c'est plutôt joli pour décorer un petit peu. Ça fait pas de mal. Écoutez, un petit miroir en mode bricolage. Du coup, tu peux faire quoi d'autre avec ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? Fabriquer un meuble, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Jardinière. Vous pouvez utiliser une jardinière pour faire pousser toutes sortes de légumes, fruits et fleurs. Oh, tu pouvais construire une jardinière toi-même, c'est stylé ça. C'est carrément bien, voyons voir ça. On va tester, voir si on peut mettre après nos fruits dedans. Bon, en même temps, c'est joli le jardin là. Je pense pas que je vais l'utiliser. On va quand même le faire, pour décorer ou quoi, on verra bien. Enfin, c'est quoi ce délire? Donc là, elle est en train d'avancer. Alors, regardez la petite. Audrey est complètement buggée. Elle a buggé, mais dit genre... totalement, parce que je suis pas en pause, je suis bien en play. Ah, c'est bon, elle s'est remise en marche. Parce que j'étais bien en play, elle avançait. Du coup, elle est passée ouf. Qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? Elle est là, vas-y. Je pense que le jeu a eu un petit peu de soucis pour savoir ce qu'elle devait faire. Il a un petit peu paniqué. Donc, elle doit taper pendant 4 heures pour avancer. Ah, puis attends, il faut aussi, Audrey, s'avancer ça. Être parent d'un enfant ayant 3 amis, avoir un enfant marié. Ça par contre, ça ne sera malheureusement pas faisable. Avoir un enfant marié pour le moment, ça va être un petit peu problématique. Par contre, avoir un enfant ayant 3 amis, ça sera relativement simple, on pourra le faire. Ça peut être plutôt bien. Fin. Et du coup, elle atteint le niveau 4 de la compétence bricolage. Alexia peut désormais effectuer des améliorations avancées sur des éléments de plomberie. Elle peut aussi fabriquer des guéridons sur l'établi des ministeries. Ah, il y a plein de ces coups là dans la gueule, assez violent. Du coup, ça nous arrange bien ça, elle va pouvoir améliorer encore ça. On va améliorer exactement. Ajouter le nettoyage automatique et ajouter un bidet. Ah, parfait. Ça, c'est super pratique. C'est super pratique, tant mieux. Donc, ça vaut bien la peine d'améliorer son bricolage. C'est vrai que pour s'occuper de la maison quand t'es une femme célibataire, c'est quand même bien utile. Elle continue, en prend plein la gueule, la pauvre. Elle est vraiment nulle au marteau. C'est une vraie catastrophe. Par contre, elle a terminé ça. C'est dans l'inventaire du foyer, voyons voir ça. Est-ce que c'est joli? Ah, bah, c'est genre la jardinière normale, mais en version un peu plus barbare, on va dire. Un tout petit peu plus barbare avec justement les trucs de bois, mais c'est sympa. J'aime bien, ça a un petit style. Pour décorer, ça peut être bien. À la limite, mettre l'arbre. C'est avec l'arbre dedans, on aurait pu le mettre. Parce que, du genre, si on mettait l'arbre comme ça, est-ce que ça pourrait le faire? Et si elle a fallu le mettre, je sais pas. Genre, non, ça me dérangeait plus qu'autre chose. Bon, bah écoutez, on va le laisser là. Simplement que ça décore l'arbre. C'est quand même plus joli. C'est quelle heure? 21h, tu vas être juste complètement KO. Effectivement, ah, le divertissement baisse. C'est pas trop ça. Est-ce que tu peux faire encore peut-être quelque chose? Non, mais ça sert à rien. Tabouret de bas, pot de fleurs, miroir. Pot de fleurs, c'est cool. Hein. Guéridon. Guéridon, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau. Pas forcément nécessaire, mais tellement mieux avec. D'accord. On verra ça plus tard, si on en met un ou pas. Elle est pas très très bien. Divertissement, il faut aller monter. Bah, écoute, va pêcher un petit peu, ça te fera le plus grand bien. Alors, Julie est rentrée. Pas de promotion, étonnamment. Parce que pourtant, elle est... Comment ça se fait? Parce qu'elle était... Ouais, performance, c'était abusé, quoi. Elle a un truc super violent. Ah, puis on m'a dit qu'il y avait une petite coche quand il y avait une promotion qui allait arriver. Est-ce que du coup, c'est ce petit vue-là, en jaune? Ah, c'est possible. Peut-être que ça signifie qu'elle va avoir une promotion la prochaine journée. Je suppose, même si ça me paraît un peu bizarre. Ça pourrait expliquer, parce que là, je vois pas trop ce que ça peut vouloir dire d'autre que ça. Le petit vue ici. C'est possible. En tout cas, elle est pas très bien, la pauvre. Ça l'a bien tendue. Qu'est-ce que tu veux? Acheter un lave-vaisselle. T'es moi, un lave-vaisselle, mais ça sert à rien. Non, je vais pas te le faire. Ça coûte beaucoup trop cher. Il faut pas déconner non plus. Se détendre dans un sauna non plus. T'as des goûts de luxe là quand même. T'as des goûts de luxe, malheureusement on n'a pas tout ça à la maison. Il faudra faire ça enfin. Et du coup tu te sens comment? Divertissement, énergie, hygiène. Écoute, prends une petite douche. Ça te fera le plus grand bien. Et après par contre, pour ton divertissement, ce que tu peux faire, bah limite aller pêcher avec ta mère, comme ça vous serez les deux. Ça va vous faire le plus grand bien. À part ça, Audrey a pas terminé son souhait. S'entraîner à taper pendant 4 heures, on y est presque. J'accélère un petit peu, je pense qu'on va réussir à le finir. Allez, tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Voilà, c'est tout bon. Elle a réussi à terminer enfant turbulent. Enfin, terminé, on se comprend. Passer à l'étape suivante. Donc, elle est niveau 2 sur 3. Qu'est-ce qu'il doit faire à présent?
Atteint le niveau 10 de la compétence faculté motrice, traverser l'échelle horizontale 3 fois. Oh bah c'est pratique ça. Et obtenir le meilleur score au jeu de frappe. Elle se sent comment? Pas très bien. Est-ce que tu pourrais vite, genre, faire ça? Tu le traverses 3 fois, comme ça tu réussis à avoir ce qu'il faut. Enfin... Ah mais Ted a terminé! Attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc elle est bien avancée ça. En fait, j'ai pas fait gaffe, c'est Ted qui a fini son aspiration. Aspiration terminée. Ted vient de réaliser son rêve d'enfance en devenant un petit athlète. Trait de caractère gagné, doué physiquement. Yeah, ça c'est cool. Est-ce qu'on a réussi autre chose? Faculté mentale, c'était fini. Faculté motrice, c'est également terminé. Et du coup, il nous reste social ou créativité. Bah écoute, on va partir sur créativité. C'est quand même plus simple à faire. Posséder une table d'activité, faire deux dessins en étant inspiré. Bah écoute, c'est que ça va être facile ça. Par contre, en étant inspiré, est-ce que du coup on mettrait un mur pour créer différentes ambiances? Ou est-ce qu'on met directement... Attends, pour l'inspiration, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas si j'ai accès à des trucs d'inspiration à ce niveau-là. Alors, la table d'activité... Bah limite on peut la mettre à côté, parce que je crois pas qu'il y ait d'ambiance particulière par ici. Donc ça aurait pas posé de soucis. Genre si on la mettait par là, c'est pas super esthétique. Mais dans l'absolu ça dérange pas plus que ça. Genre si on mettait ça plutôt comme ça, est-ce que ça rendrait pas mieux? Ouais non, ça fait un peu bizarre. Ça fait un petit peu bizarre. Et genre si on mettait ça plutôt comme ça, en vrai ça va. C'est pas tip top, on va dire que c'est bon. Parce que niveau couleur, est-ce qu'on pourrait le modifier? Genre mettre une couleur un peu plus neutre. Soit du orange, soit du blanc. Allez, vas-y. Le orange. Ah non, ça, on peut pas le modifier, par contre. Ça, c'est disponible qu'en vert. Bah, du coup, du blanc, ça sera quand même un peu plus neutre. Voilà, c'est parfait. Alors, du coup, posséder une table d'activité, ça, c'est fait. Et faire deux dessins étant inspiré, ça sera pour plus tard, parce que là, le pauvre, il n'est pas très bien. Qu'est-ce que t'as besoin? Déjà, de manger, ça sera une bonne chose. Et ta sœur doit absolument aller ici. Vas-y, la petite douche. Si t'as le temps de manger, ce serait parfait. Et après, seulement, tu iras te coucher. Comme ça, on sera bon. Et Julie, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle est en train de pêcher, divertissement. Ah, c'est trop pas ça. C'est pas vraiment ça. Parce que tes aspirations, t'en es ouf. Préparer deux repas en étant inspiré. Faut vraiment qu'on puisse créer une pièce inspirée. Où je rate ce que j'ai. Faut prendre pour qu'elle prenne une bonne douche. Ça peut passer. Parce que je crois pas que j'ai d'inspiration particulière dans la maison. C'est à l'extérieur qu'on a d'humeur joueuse. Mais à l'intérieur, en principe, on a rien de particulier. Et du reste, je pourrais presque désactiver ça. Allez, vas-y. On désactive. Histoire d'éviter qu'elle soit sans arrêt joueuse. La fille, elle a un petit peu buggée. Je sais pas ce qu'elle a. Puis tout à l'heure, mettre dans l'inventaire, j'arrête pas de l'annuler, mais elle veut pas l'enlever. Elle veut mettre dans son inventaire les devoirs. Chose assez étrange, mais bon, on verra bien. En espérant qu'il n'y ait pas de soucis. Comment est-ce qu'elle se sent? Est-ce que ça va la pêche? Ça leur fait du bien ou pas? Divertissement, ça monte. Ouais, c'est pas non plus la folie. Je pense qu'il vaut mieux. Ouais, divertissement, ça monte que de 1. Donc c'est peut-être pas très rentable. Vaut mieux jouer aux échecs par exemple. Je pense que ça marche quand même nettement mieux. Parce qu'elles sont comment? Fatiguées. C'est pas mal fatiguées. On va laisser dormir, parce qu'après ce sera trop tard. Elles vont se coucher, comme ça on sera bon. Enfin. Allez, au dodo de tout le monde. Ah, c'est sale, zut, faut nettoyer les toilettes. Faut vraiment que j'améliore tout ça. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Tout le monde dort, comme ça on est bon. On a fait un beau petit miroir. On a bien avancé, les amis, avec cette belle petite table. Du coup, on va se laisser là, penser c'est un petit pouce bleu. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao!